d'avoir fait monter mon niveau de conscience historique et politique. Ma question est la suivante. Que pensez-vous de Jacques Doriot qui, comme vous, entendait grouper les dissidents de droite et de gauche autour d'un même parti? Prenez soin de vous et au revoir. Ben ça, c'est une question carrée et dangereuse. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Jacques Doriot est au départ un communiste, je crois qu'il était maire de Saint-Denis et qui était le rival de Thorez au PCF. Il a rejoint Pétain, c'est-à-dire la Révolution nationale, hein, parce qu'on parle toujours de la collaboration, mais il a rejoint la Révolution nationale et la collaboration fatalement. Et effectivement, il est on va dire un fasciste français, c'est-à-dire qui a réuni la question sociale et la question nationale. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le legs que nous voulons faire aujourd'hui. Évidemment, quand j'étais jeune, je pensais que ce Doriot était une ordure et un type abominable. Avec une plus profonde culture historique, je me rends compte qu'entre Doriot et Thorez, je ne suis pas sûr que le plus gros salopard des deux et le moins courageux des deux soit Doriot. Je rappelle que Thorez s'est barré dès la déclaration de guerre, a passé toute l'occupation en URSS, hein, sous contrôle soviétique, et qu'il était c'était pas vraiment un patriote français, hein, c'était un agent soviétique. Le chef du Parti communiste, Maurice Thorez, tenu par sa fidélité au pouvoir soviétique, a déserté l'armée française pour rejoindre Moscou. On relève même des actes de sabotage dans les usines d'armement contre l'effort de guerre français. Et avec le recul, il m'inspire beaucoup moins de respect que Doriot, qui a payé lui beaucoup, beaucoup plus cher son engagement. Au mois de février 1945, à proximité de Sigmaringen, Doriot trouve la mort sur une route de campagne, victime d'un tir d'aviation allié. Enterré avec son uniforme de la LVF, sa sépulture se trouve encore aujourd'hui dans la ville de Mengen, en Allemagne. Ne comptez pas sur moi pour cracher sur Doriot. En revanche, quand on regarde les images de Doriot, il y a quand même un truc qui fait réfléchir, qui interpelle sur ce que c'est que le national-socialisme à la française. C'est autant quand on voit des SS en uniforme Hugo Boss, ils incarnent quelque chose de violent, de dur, enfin de germanique. Autant Doriot, quand il essayait de jouer le fasciste, avec son côté bonhomme qui met bien la bouffe et la picole, et son côté pas très soigné, il y avait un côté un peu ridicule. Et ça, c'est avoir conscience qu'un Français n'est pas un Allemand. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Doriot était un communiste, hein, donc qui était passionné par la question sociale, et à un moment donné, il s'est posé la même question qu'on se pose dans la douleur à égalité et réconciliation, qui est la question d'une certaine communauté qui est la haute main sur certains secteurs déterminants quant au pouvoir dans une société capitaliste. Le PPF chasse désormais sur les terres de l'extrême droite. Deux nouveaux ingrédients idéologiques font leur apparition, la xénophobie et l'antisémitisme. Après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les amis de Blum et de Thorez, les travailleurs honnêtes. Le Parti populaire français a proposé une règle fondamentale, la priorité absolue du travail pour les Français. Les étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire. C'était un marxiste et un communiste et un socialiste qui avait produit des analyses qui me paraissent pas du tout délirantes, qui peuvent encore nous interpeller aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle très peu de Doriot. C'est toute cette histoire de la collaboration qui vient de gauche, que ce soit DA, Doriot, c'est-à-dire des gens qui viennent du PC ou même de la SFIO, tout ça a été masqué par un mensonge qui est devenu la vérité officielle, c'est que la collaboration a été de droite ou d'extrême droite. Ça va être l'occasion encore de faire de la pédagogie, puisque c'est quand même le rôle fondamental d'égalité et réconciliation. Les gens de l'Action française étaient très très anti-allemands, et ça c'était Maurras, qui était un latiniste et un type du Sud, et qui détestait l'Allemagne, d'ailleurs de façon assez caricaturale, ce que rappelle Rebattet d'ailleurs, hein, dans leurs engueulades d'avant-guerre. Hanté par les possibilités de voir un jour le vieil ennemi se réarmer contre la France, l'Action française prône à longueur d'articles une vigilance absolue à l'égard de ce qu'elle appelle l'Allemagne éternelle.
et les gens de l'Action française ont été parmi les premiers qui ont rejoint De Gaulle et la résistance, pas anti-bauchisme, ce qui n'a pas empêché qu'à la Libération, ils ont été épurés, et notamment d'ailleurs à cause de la divine surprise, la phrase de la divine surprise, qui voulait bien dire que la défaite allemande avait permis la révolution nationale, et c'est de ça dont parlait Maurras. Maurras a fini, je le rappelle, en prison. C'est à l'île-dieu, lui, hein, pas l'île-du-diable. Alors que toute la SFIO, Blum en tête, était pour le désarmement et le pacifisme BA. Pourtant, à gauche, on pense que la réconciliation, même avec une Allemagne hitlérienne, est encore possible. Y compris des personnalités comme Léon Blum, qui dans son journal Le Populaire, entretient cette illusion. L'obsession de la gauche est une obsession pacifiste. On ne veut pas faire la guerre à l'Allemagne, même hitlérienne. On dénonce le nazisme dans sa nocivité contre les juifs ou contre la gauche. On ne veut pas dénoncer le danger que représente une Allemagne qui réarme pour la France. Et c'est ça qui va conduire Léon Blum à développer, au fur et à mesure que les nouvelles arrivent, selon laquelle Hitler est en train de réarmer l'Allemagne, à développer des théories de plus en plus fantaisistes, du genre l'Allemagne réarme. Alors, il faut que la France désarme pour créer une dynamique de désarmement mondial. Et donc, s'il y a une dynamique de désarmement mondial, l'Allemagne ne pourra pas réarmer. Ceux qui ont réécrit l'histoire après-guerre et qui se font passer pour des résistants sont souvent issus de la gauche collabo. Et eux sont aussi les responsables principaux, je parle du Front populaire, de la défaite. Hein. Voilà, donc, une fois de plus, le travail d'égalité et réconciliation, même si ça coûte cher, c'est de rétablir certaines vérités. Et je rappelle que le seul intellectuel historien sociologue qui a osé rétablir cette vérité gauche collabo, droite résistante, c'est Simon Epstein, puisque c'est un historien israélien et que lui, en tant qu'Israélien, il a cette liberté. Hein. Et je rappelle aussi que c'est moi qui ai fait découvrir Simon Epstein à Zemmour, qui aujourd'hui le cite souvent. Voilà. Je vais vous offrir le livre de Simon Epstein, Le paradoxe français, un grand historien franco-israélien. Je vais vous l'offrir pour votre anniversaire.